Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une continuation d'une vidéo que j'avais fait il y a longtemps. C'était avant le premier confinement ou pendant le premier confinement, je sais plus, mais ça remonte à un petit bout de temps. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les expressions françaises, par les mots que vous utilisez chez vous et par rapport à chez moi. On va voir si nos expressions chez nous et les mêmes ou chez les vôtres ou pas. On va commencer par la première ligne. Alors, granité. Ah oui, les petites glaces là, nous c'est granité exactement. Nous on est dans la zone bleue, c'est granité. Et vers le sud-est, c'est granita. En gros, il y a juste le A qui change quoi. Il y en a un peu partout, un peu dans le monde, quand on dit granité, granita. Mais on est largement supérieur sur granité. Nous allons passer à la deuxième. La soucoupe, la soucoupe, la soutasse. Ben nous on dit une soutasse, on dit pas une soucoupe. Parce qu'une soucoupe ça vole. Moi je suis sous tasse, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui disent quand même sous coupe en vrai. Nous passons à la troisième. Touche, trap. Ouais, nous c'était... Ouais, on joue touche. Je joue l'ouest et on joue touche. Trap, touche. Ouais, un petit peu les deux, mais c'est plus touche. Ouais, on joue l'eau, on joue touche, on joue la bougie. Ouais, il y a bien une bande centrale. Plein la France qui dit touche. Un petit peu dans le nord, trap, et dans le sud, trap. Mais sinon, on est supérieur à vous, les gars. Yeah. Alors, nous allons passer à la prochaine image. Morceau ou pierre. Eh bien, on dit un morceau de sucre. Parce qu'une pierre de sucre, et what? Heureusement, vous êtes très peu à tirer une pierre de sucre. Alors je voudrais du café avec deux petits morceaux de pierre. Non, vous dites même pas pierre dessus, vous dites juste une pierre. Au moins la pierre, c'est les cailloux, le pierre que t'as dans le sol. Alors que nous, on dit morceau de sucre. On se complique la vie, mais au moins on se comprend. Allez, nous passons à la suite. Faites du village ou faites foraine? Ouais, nous c'est faites foraine. Enfin, ouais, c'est faites foraine. Parce que nous, on n'a pas de fête au village. Enfin, si je ne me trompe pas. Nous, on dit plus faites foraine ou la foire. Après, ça dépend ce que c'est, mais nous, c'est ouais, c'est faites foraine, la foire, c'est comme ça. Et je crois qu'il y a Ducasse, au nord, il y a un petit nord, Ducasse, Mesti, Kilb. Alors ce soir je vais à l'événement Kilb, dans la fête, ouais, généralement on dit la fête. Une assemblée, l'assemblée c'est pas totalement une fête, mais bon, pour vous, assemblée c'est une fête, bah nous non. Pardon, wait, d'où tu t'excuses pour aller à une fête? Non mais quand même quoi, je dis pas pardon pour aller à une fête quoi. Frérie, j'ai cru que c'était prairie, mais non c'est frérie. Vogue et faites-le votre marre. Mais quand même, vous utilisez ces mots des fois. Mais vous les sortez, les gars, vous connaissez. De toute à la prochaine. Et la tamponneuse, oui, nous on dit auto-tamponneuse. Enfin, les voitures sont tapées dedans. Auto-tamponnante. Ouais, il y en a aussi qui disent auto-tamponneuse. J'ai déjà entendu auto-tamponnante. Mais nous on dit auto-tamponneuse. Auto-putante. Lol. Testos. J'ai juste des trucs. Testos. Mais non, c'est testos. Auto-camor, auto-tamponnante, auto-scooter. Alors normalement les auto-scooters c'est avec les scooters. Les auto-tamponneuses avec des genres de voitures. Dites-moi si ceux qui disent auto-scooters, si jamais il y en a, est-ce que c'est quand même des voitures ou c'est des petits scooters? Et nous avons juste à côté des scooters. D'accord, ben non c'est des scooters, hein, c'est pas des voitures. Et des autobox. Ouais, mais bon, je préfère auto-tamponneuse. Nous passons à la suite. Braguette, braillette, on dit braguette. Il y a vraiment un petit nord là, braillette. En fait, c'est avec l'accent. Dire braguette, braillette, c'est ça en fait, avec l'accent. Ça fait braillette. En fait, c'est braguette. Mais on est quand même, on va dire 90% de. Ou 80% de braguette. Alors, nous allons passer à la prochaine image. La seconde image du kebab. La dénomination du kebab. Bah, c'est carrément kebab partout sauf grec. Du rhum. Après, il fait peut-être l'accent. Donnez-moi de kebab. Non, non, mais. C'est largement kebab. Peut-être qu'il y a des accents à prononcer, je ne sais pas. Mais on finit sur du kebab, les gars. On finit sur du kebab. Il n'y a plus rien d'autre. Ça annonce la fin de cette vidéo. C'est passé si vite. Les images étaient si courtes, si rapides. Après, bon. Les premières vidéos, vous avez quand même beaucoup plus à ce que j'ai vu. C'est vrai que, comme prévu, j'en ai refait une. Ça a mis du temps parce qu'il fallait avoir assez d'images pour que je puisse vous en faire une. Je remercie encore une fois Xaltix pour m'avoir passé toutes les images parce que c'est lui qui a fait la recherche. Voilà, c'était lui qui m'avait donné l'idée. Vous savez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était un pur plaisir de voir les différents mots utilisés par rapport à moi. C'est quand même, des fois, il y a des mots étranges. Pas d'où vous les sortez, les gars, mais quand même, soyez français.
Même moi qui des fois j'ai des mots bizarres, mais là, c'est un haut level les gars. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les dire dans les commentaires les gars, dans les commentaires. Sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine les gars. Tchuss.